Découvrons ensemble la box bonne humeur du docteur Pierre Rico. Coucou les Silver! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en partenariat avec Influence for Brands et Dr Pierre Rico. Alors que je vous explique, Influence for Brands, c'est quoi? Eh bien, il s'agit d'une plateforme sur laquelle les influenceurs, les youtubeurs, les blogueurs ou les instagrammeurs peuvent aller lorsqu'ils commencent à avoir une petite communauté. Et sur cette plateforme, on peut choisir des articles à tester. Là, par exemple, je pouvais tester cette box bonne humeur avec du maquillage du docteur Pierre Rico. Donc, on n'est pas obligé, on n'a aucune obligation. On n'est pas rémunéré. On gagne juste des points qui nous permettent bien de pouvoir accéder à d'autres produits et d'autres tests à faire. Alors, je vous propose de découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de cette box. Alors, bien entendu, je l'ai fait en avant-première. Vous me connaissez, je n'ai pas résisté, mais je vous ai reconstitué le paquet tellement il était joli. Donc, une fois qu'on a ouvert le nœud, on se retrouve avec tout ça à l'intérieur. Alors, il y a cette jolie pochette. Après, je vais tout vous présenter. Vous allez voir, un mascara, un vernis à ongles, un rouge à lèvres, un crayon pour les yeux, un joli miroir et une très jolie pochette pour mettre tout ce maquillage. Alors, cette box regroupe ces nouvelles tendances de maquillage de la marque du docteur Pierre Rico. C'est une marque que je connais depuis très très longtemps, j'ose le dire. Oui, c'est une marque qui est sérieuse, que tout le monde connaît. Mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu l'occasion de tester les produits Pierre Rico. Alors évidemment, quand j'ai vu sur Influence for Brands qu'il y avait la possibilité de tester cette box, j'ai évidemment sauté sur l'occasion. En plus du maquillage, c'était l'occasion de vous montrer comment je fais un joli maquillage dans les bleus, puisque vous avez vu sur Instagram, je vous l'ai présenté et je sais que vous l'aimez, donc je vais vous montrer comment le faire avec ça. Alors avant de passer au maquillage, on va voir ce que contenait d'autre cette box. Alors il y a cette jolie trousse pour commencer. Regardez, avec un très joli petit nœud, de bonne contenance puisqu'elle est quand même assez épaisse. On va pouvoir mettre tout notre maquillage à l'intérieur dans quelque chose qui est très 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 girly. J'aime beaucoup. Alors ça, c'est la trousse de maquillage. À l'intérieur, il y avait également ce très joli miroir. Regardez, il est tout estival avec un joli soleil dessus. Vous savez que ça, j'adore. Alors, je ne vais pas vous le mettre dans les yeux. Voilà, il est comme ça, avec un côté grossissant et un côté plus classique. Très pratique pour mettre dans le sac ou dans cette pochette de maquillage. Il y a également cette très jolie pochette avec tout le nécessaire pour faire sa manucure, avec un coupe-cuticule, un coupe-ongle, une pince à épiler, un repousse-cuticule et une très jolie lime à ongles ici. C'est très pratique, surtout lorsqu'on part en voyage, on est sûr d'avoir tout sous la main. Donc ça, très très joli et ça rentre dans la jolie pochette qui a été envoyée dans la box. Alors on va passer maintenant au maquillage. Alors bien entendu, pour faire ce maquillage, j'ai commencé par faire mon teint avec mes produits habituels. Je vais vous montrer juste la partie maquillage. Alors tout d'abord, on va commencer par les yeux. C'est un joli maquillage bleu. C'est un maquillage que j'aime beaucoup pour l'été. C'est vrai que ça illumine le regard, ça illumine le visage. C'est très facile à faire, vous allez le voir. C'est un maquillage très très rapide. Je suis sûre que vous allez l'aimer. Pour commencer, dans cette box, il y avait ce crayon pour les yeux qui est ici. C'est un crayon fard à paupières, vous le voyez là, il est bleu. Bon, vous voyez, je l'ai déjà utilisé pour vous faire ce maquillage. Je vous montre ici sa couleur, il est splendide. Franchement, facile à appliquer, il a un bon glissant, vous voyez sur les images. Il glisse très très facilement sur la paupière. Alors, comment je l'ai appliqué? Eh bien, je crayonne le dessus de la paupière tout simplement et ensuite, c'est super facile. Avec le doigt, vous étalez et c'est tout. Je vous ai dit, c'est un maquillage ultra rapide, vous allez le voir. Dans cette box, il n'y avait pas d'eyeliner, mais heureusement, j'en avais un de chez Pierre Rico. C'est ce bleu ici. Il est superbe, hein, vous allez voir. Moi, c'est vraiment les bleus que j'aime pour l'été. Vous allez voir, il s'assortit parfaitement avec le fard à paupières bleu. Donc celui-là, comment je l'ai appliqué? Eh bien, c'est tout simple. Hein. Un petit trait sur le dessus de la paupière et légèrement sur le tiers extérieur ici. Et ensuite, j'ai flouté là aussi avec les doigts. Je vous ai dit, un maquillage ultra facile et très rapide à réaliser. Pour terminer ce maquillage des yeux, évidemment, il faut un super mascara. Et là aussi,
Pierre-Rico a pensé à tout avec ce très joli mascara. Alors l'emballage évidemment très girly, j'aime beaucoup, hein, c'est déjà très très joli. Mais comme je vous l'ai déjà dit, les emballages c'est bien qu'ils soient jolis, mais il faut que le produit soit efficace. Eh bien regardez, c'est une brosse ici, légèrement incurvée sur le milieu, qui permet d'attraper très facilement tous les cils. Et le bleu est vraiment magnifique. Alors je vais peut-être essayer de vous le faire sur le dos de la main, je ne sais pas si ça va marcher. Alors je vais vous en mettre un petit peu. Vous voyez, ça fait un bleu comme celui-là, celui qui est en bas ici, qui s'harmonise parfaitement avec le crayon colle et le fard à paupières en crayon bleu. Ça fait un maquillage très printanier ou très estival comme vous le souhaitez. Vous voyez, ça donne tout de suite une superbe mine. J'aime beaucoup. Pour aller avec ce maquillage estival, il y a aussi un rouge à lèvres et un superbe vernis à ongles. Alors le vernis à ongles, vous le savez, je l'utilise moi en général pour les pieds, puisque mes mains, je les réserve à ma manucure. Donc regardez, il est super joli, le flacon j'aime beaucoup, il est super facile à appliquer, vraiment très facile, le pinceau est parfait. Alors c'est pas un pinceau large comme j'ai l'habitude d'utiliser, mais vous voyez, il part légèrement en éventail, donc il est très très simple à appliquer, vraiment vous aurez aucun problème. Ce que j'ai beaucoup aimé, parce que ça fait un petit moment que je l'utilise, c'est qu'il tient vraiment très bien, parce que sur les pieds, vous savez, parfois avec le frottement de la chaussure, le vernis à ongles a tendance à partir sur le bout de l'ongle du pied, et bien là non, ça a bien tenu. Alors j'ai fait 2-3 petites retouches sur la semaine, mais vraiment impeccable, il a une belle brillance, puis regardez cette couleur pour l'été, elle est splendide. Il y a aussi ce rouge à lèvres, alors là, c'est une merveille, regardez, il est rose, assorti au vernis à ongles, et puis je vais en remettre un petit peu. Alors comment vous dire? Déjà j'adore le parfum de ce rouge à lèvres, ça c'est déjà à moitié conquise avec le parfum. Il est très très bien, il hydrate super bien, il est plutôt satiné, il n'est pas brillant, moi je dirais qu'il est satiné. Puis regardez, il fait cette couleur aussi très agréable pour le printemps, c'est vraiment la couleur parfaite pour cette saison. Si on veut parler de sa tenue, c'est toujours pareil, avec des rouges à lèvres satinés ou glossy, on a une moins bonne tenue qu'avec un rouge à lèvres mat, mais bon, moi, comme je vous l'ai dit, ça ne me gêne pas d'en remettre plusieurs fois, rien que pour le plaisir à chaque fois de sentir cette bonne odeur et d'en remettre. Par exemple, pour une matinée, je vais en remettre une fois, et puis après le repas, je vais en mettre aussi une autre fois, et puis c'est tout. Voilà, et puis peut-être une fois le soir avant de sortir, mais côté hydratation, il est vraiment extra. Voilà, vous me l'aviez demandé, ce maquillage bleu, il est là, je l'ai fait. Vous avez vu, c'est très très rapide, c'était ce que je voulais vous montrer. On peut faire un maquillage tout simple, très estival. En 5 minutes chrono quasiment, vous faites ce maquillage et vous voyez, ça donne une super bonne mine. Alors, que pensez-vous de cette box Bonne Humeur? Vous voyez juste ce qu'il faut en maquillage pour se donner une mine très estivale. Moi, c'est adopté, je l'aime beaucoup. C'est vraiment des couleurs que je porte tout le temps. D'ailleurs, vous le voyez sur mon compte Instagram, j'en profite pour vous le rappeler ici. Je vous montre en avant-première ce que je vous montre le plus souvent en vidéo après. Je l'utilise très 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 souvent parce qu'il me plaît beaucoup. Avez-vous l'habitude de faire des maquillages dans les bleus comme celui-là? C'est vrai qu'on osait moins ces dernières années. Ça faisait un peu années 80, mais c'est vrai que depuis l'été dernier, on va revenir en force cette tendance avec de jolies couleurs sur les yeux. Alors évidemment, il ne faut pas en abuser. Vous voyez finalement un total look bleu, ça passe très très bien pour le printemps et pour l'été. C'est très frais, ça donne vraiment cette bonne mine qu'on attend en cette saison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces en l'air. Et surtout, vous le savez, vous n'oubliez pas d'actionner la petite cloche. Alors pourquoi? Eh bien, pour être informé de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Mais pas seulement, ça vous permet aussi d'être prévenu de mes lives du vendredi soir. Puisque vous le savez, tous les vendredis soirs, je vous retrouve en live à 18h. Donc venez nombreux à ce rendez-vous. C'est l'occasion de papoter. Et puis, vous le savez aussi, pour moi, le live, c'est une trentaine de minutes et pas plus. Et à chaque fois, je vous présente plein de nouveaux sujets. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Oui, comme d'habitude, hein. Bon, vous avez vu cette box Bonne Humeur? Bon, déjà la petite pochette, le petit nécessaire ici pour faire sa manucure, donc tout ça c'est top. Le petit miroir aussi, il est magnifique. Regardez,
C'est chouette, non? Puis alors, je vous l'avais promis, hein, le maquillage bleu, vous me l'avez demandé, je vous l'ai fait. Puis en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que lorsqu'on sort, par exemple, le soir, le bleu, même si ça bave un petit peu, ça vous fait pas les yeux de panda. Ça se fond sur la paupière. Vous verrez, vous aurez encore un joli maquillage, même après une journée de travail. C'est super sympa. Et puis vous avez vu, hein, 5 minutes chrono quasiment, hein, super facile à faire. Et puis ce petit vernis, voilà, moi j'adore. Et puis bah, le rouge à lèvres, il est extra, il hydrate super bien. Alors que demander de plus? Eh bien non, bah, le maquillage, docteur Pierrico. Allez-y, essayez, vous verrez.